Et y a tout le monde avec Balou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo. Comment est-ce que vous devez vendre des crypto-monnaies? Bon, plus ou moins des shitcoins, ok? Comment est-ce que vous devez vendre des shitcoins pour vous, pour acheter un autre shitcoin, par exemple? Je peux décider de vendre du fake token pour acheter du Pitbull, ok? Ou le contraire, d'accord. Donc je vais vous montrer cela. Maintenant, pour faire ces sujets très simple, on va aller dans en bas là, dans 10 apps, vous rentrez là-dedans. Ensuite, vous cliquez là, non, pas là, mais bon, vous descendez tout en bas au fond. Pour ceux que ça sera la première fois, vous cliquez tout au fond en bas dans Pancake Swap, ok. Donc vous appuyez. Ok, donc une fois que vous avez appuyé, logiquement là il sera marqué de vous connecter. Ok, donc logiquement là il sera marqué de vous connecter, ok, et vérifiez bien à ce que là ça soit en Binance Smart Chain, parce que ça peut être en Ethereum. Donc vous vérifiez bien à ce que ça soit en Binance Smart Chain, d'accord. Donc une fois que nous sommes connectés et tout. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez sélectionner le fake token. Moi, j'ai pris un cas du fake token, mais ça marche pour toute crypto-monnaie. Le SafeMoon, le SafeMass, le BitToken, peu importe ce que tu veux vendre. D'accord? Donc là, tu sélectionnes dans, ici où il y a les BNB, là, tu appuies. Et pour celui qui n'a jamais fait ceci, pour celui qui n'a jamais acheté une crypto-monnaie, par lui-même, ce qu'il va faire, c'est que il va aller dans Google, ok, et ensuite il tapera fake token, d'accord. Tu tapes fake token, ok. Voilà ça qui est la fake token, ok. Une fois que tu tapes fake token, tu vas chercher à copier l'adresse du contrat, d'accord. Donc tu cherches à copier l'adresse du contrat, mais il faudrait que cette adresse du contrat là soit en Binance Smart Chain, pas en Ethereum, ok. Donc dans ces cas-là, nous voyons bel et bien le contrat adresse, vous voyez, mais le contrat adresse est en Ethereum, ok. Donc on va pas prendre ça. Donc je me retourne, je vais chercher autre. Je recherche encore dans le CoinGecko, d'accord. Donc dans le CoinGecko encore, ici l'adresse en Ethereum, ok. Donc ça vous dit que nous ne trouvons pas. Donc ensuite, je vais faire une deuxième option. C'est que tu as fait token et je mets le Binance. J'écris Binance Smart Chain, ok, BSC, d'accord. Donc j'écris Binance Smart Chain. Ensuite, je vais sélectionner le CoinGecko, d'accord. Donc vous sélectionnez le CoinGecko. Donc une fois que vous avez pris le CoinGecko, vous descendez tout en bas et là vous allez voir le contrat adresse. J'ai plein de personnes qui viennent m'écrire en privé, ils ne savent pas comment trouver le contrat adresse. Voilà comment trouver le contrat adresse. Donc vous vérifiez bien ce que. En BSC, et là il y a le via du petit chien, d'accord. Donc vous allez tout simplement copier. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'application Truce Wallet, et là vous voyez bien, j'appuie. Attendez, ok, vous voyez bien là que j'appuie ici. Ok, j'appuie. Ensuite, je vais coller l'adresse du contrat. Et là, ça me sort mon fake token. D'accord? Vous, de base, ici, il vous sera écrit add. D'accord? Donc, vous allez appuyer sur add pour dire que vous voulez ajouter. Ok? Une fois que vous appuyez sur add, maintenant, vous allez appuyer sur le fake. D'accord? Une fois que vous appuyez sur le fake, ça va sortir comme cela. Ok? Donc, ensuite, vous allez cliquer sur select a currency. Select a currency. Ok, donc vous mettez select a currency et ensuite vous allez sélectionner tout simplement le BNB, la Binance Smart Chain. Ok, donc là personnellement, peut-être que je vais décider de vendre tout mes fake tokens que je possède. D'accord, donc pour celui qui veut vendre tous ses fake tokens, et il met max tout simplement. Ok, maintenant pour celui qui ne veut pas vendre tous ses fake tokens, par exemple, il a 2 milliards, 3 milliards, il veut vendre 1 milliard. Donc ici, il va taper tout simplement 1 milliard. D'accord? Une fois que je tape 1 million, on te met le montant de BNB que tu dois recevoir. Ok? Donc, vous allez cliquer sur Approve Fake. Voilà.
Donc, comme vous le voyez ici, les frais sont de 41 francs CFA. Ce qui justifie 0,00 tous ces BNB là. Ok. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous devez avoir des Binance Smart Chain de base. Ok. Donc, pour celui que c'est Binance n'a pas de Binance Smart Chain, ses Binance Smart Chain sont des zéros, il ne pourra pas faire la transaction. Il faudrait qu'il ait forcément des Binance Smart Chain. Ok. Donc, pour ceux qui ont un peu les moyens, vous pouvez décider de mettre, si je sais pas, 5000 francs dans les Binance Smart Chain, vous gardez. Le jour où vous voulez vendre certaines crypto-monnaies, bien vous utilisez ça pour vendre. D'accord? Donc, il est obligatoire que vous aurez des Binance Smart Chain. Pour celui dont ces Binance Smart Chain sont des zéros, il ne pourra pas faire, il ne pourra pas vendre. D'accord? Donc, une fois que tu as fait cela, tu as vendu. Ok? Donc, tu auras, comment ça s'appelle même, des... Tu auras tes smart chain là et puis tes fake tokens, ils vont diminuer au fait en fonction de ce que tu as vendu. Si tu as tout vendu, eux tous partiront. Si tu as vendu un peu, il restera un peu. D'accord? Donc, pour celui qui a tout vendu, tout va partir et puis va recevoir tout sur sa Binance Smart Chain. Ok? Donc, on va faire une deuxième méthode. C'est-à-dire, vous avez vendu des fake tokens et vous voulez acheter des pitbull. D'accord? Donc, je repasse ici 10 apps. Là, je prends le cas des FED token et Pitbull, mais vous pouvez prendre autre cas en fonction des crypto-monnaies dont vous possédez, vous avez en votre possession. Donc, ensuite, là, ça sera marqué si Binance Smart Chain. Ok, et là, Select a Currency. Donc, j'appuie sur Select a Currency et bien, je vais chercher l'adresse du Pitbull au fait. D'accord, donc ici, je viens de taper Pitbull, mettez toujours les tokens. D'accord, Pitbull. Token, voilà ça qui est sorti. Donc le public token sort. Ok, donc une fois que le public token est sorti, nous avons CoinMarket. Ok, nous avons BSCan. D'accord, voilà. Donc je crois que bon, on trouve pas de coin. Bon, on va prendre CoinMarket. D'accord, donc je clique sur le premier. Ok, donc une fois que vous avez cliqué sur CoinMarket, là nous avons Binance Smart Chain, c'est ça que nous cherchons au fond, le contrat adresse. Donc nous avons tout ça. Ok, donc on va copier. Donc on copie, d'accord. Vérifiez bien sûr que ça soit en Binance Smart Chain. Si c'est en Ethereum, vous sortez pas de chercher autre chose, pas de chercher ça. D'accord, il y a CoinMarket, il y a CoinGecko, il y a BSC Scan, tout ça. Donc je reviens là. Et ensuite, je vais coller le contrat adresse. Ok, donc une fois que vous collez vos contrats adresse, le rapide bulle qui va s'afficher de base pour vous, ça va être écrit add. Donc vous écrivez ici add et puis ça sera ajouté, enregistré. Donc ensuite, vous allez appuyer tout simplement sur le pit bulle. Ok, ok, donc pour vous, ça sera comme ça. Vous appuyez sur add et puis vous appuyez sur le pit bulle et ça sort comme cela. D'accord, donc vous pouvez faire votre achat. Donc, en fonction du montant que vous voulez acheter. D'accord, j'ai déjà fait cette vidéo-là dans la vidéo précédente. Je ne vais pas la refaire ici, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, vous sélectionnez le nombre de BNB que vous voulez acheter. Ou au pire, si vous décidez d'acheter 1 milliard de pitbull, tout simplement comme ça. 1 milliard de pitbull. 1 milliard de pitbull, et bien, ça fait 0,0. Attends. Pas logique ça. Attendez, je mets 0. Attendez, là je mets 0,001. Ok, voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez acheter, vous faites ça. D'accord, donc là il a mis 0,01 et on me dit que j'aurai combien déjà là, j'aurai 75 millions. Ok, 75 millions de pitbull. D'accord, et 715 millions de pitbull. Ok, donc en fonction de ce que vous voulez, vous faites. Donc là, pour calculer, j'ai déjà montré la méthode sur la précédente vidéo. Donc allez-y la regarder et elle vous explique comment vous devez faire acheter. Donc on va pas répondre ça. Et c'était juste pour vendre et acheter une autre crypto-monnaie. D'accord, donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire sur WhatsApp. Je vous mettrai trop en description. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était un nouvel Cabaleron. Allez, kiss.